C'est tellement. Ça... Ils font le même pour les hommes ou pas? Vous n'êtes pas très sympathique. Vous n'êtes pas très beau vous non plus, hein. Vous êtes tout rose avec votre sac bleu. Oh, vous êtes tellement immonde. C'est bien calme. Vous savez, ça fait un petit peu comme au dé... avant le calme avant la tempête. C'est ça qu'on dit? Bah oui. Oh mon Dieu! Ah, j'avais parlé trop vite encore. Tuez-le, Selecti, j'ai peur. Selecti, qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous êtes en train de mourir. Non, tout va bien. Non, absolument pas. Je suis en maîtrise et contrôle complète. Et regarde, c'est quoi cette ici salle. Oh, une salle de banquet. On dirait un énorme banquet. Banquet. Une salle des fêtes. Il y a des fûts de bière, attendez. Selecti. Oh mon Dieu, où suis-je? Oh mon Dieu, quelle est cette salle? Mais vous m'avez laissé. Je suis en train de me faire pourfendre. Selecti, j'arrive. Allô, Selecti. Oui, allô. Oui, je suis là. Vous êtes bien sur le répondeur de Selecti. Mais laissez votre message après la mise sonore. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes à c'est quoi que vous avez sur la main droite là? C'est. Aïe! Oh là là, des squelettes enchantés! Regardez celui-là! Vous auriez pas un peu l'impression. C'est quoi que vous avez dans la main droite? C'est du pain? Vous en voulez? C'est ça. Je sens jeune. Non, je veux pas votre pain, j'en ai rien à foutre de votre pain. Mais je suis extrêmement. Regardez, je suis en train de mourir! Oui, oui, non, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Mais il y a bien beaucoup. Mais c'est des rats encore! Et seul dans un. Dans un donjon. Et... Selecti, je vais mourir. Qu'est-ce que vous avez dans la main droite? C'est-à-dire que la maladie est en train de me prendre, mais arrêtez de vous inquiéter de ce que j'ai dans la main droite. Vous voyez pas que je vais mourir? Mais mangez, mangez. Je mange, je suis rassasié. Mais non, mais parce que là, je suis maudit sur 20 000 générations. Ah, ça va mieux. Dis donc, elles sont passées vite les générations. Je trouvais un casque. Un home. Un casque, mais non, mais le casque ne m'intéresse pas. Non, mais arrêtez de me filer, pauvre. Je peux mettre un casque, je verrai plus rien. Écoutez, moi il faut qu'encore que je mange. Et regardez, mais il y a plein de fûts là, des fûts de bière là, nous pouvons boire, buvons. Ah, il y a pas de bouton sur celui-là. Oh. Mais non, je pense que les. Qu'est-ce qui se passe, Selecti? Rien du tout. Oh mon Dieu. Rien du tout. Ils sont en train de vous faire. Vous êtes en train de vous faire attaquer. Rien du tout, il se passe rien du tout. Attention, aïe. Si, vous regardiez ce fût de bière, c'est parce qu'il est plein. Rien du tout. Bon. Selecti, absolument rien. Vous m'inquiétez. Vous m'inquiétez. Je n'aime pas trop ce mystère. Attention, il y a une cage maléfique. Une cage, je la casse. Aïe. Mais vous avez quoi dans la main droite? Vous avez quoi dans la main droite? Mais rien du tout. Ma hache. Je n'ai plus d'épée, donc je tape avec ma hache. Ça vous étonne? Pourquoi? Vous voulez une épée? J'en ai une, moi. J'en ai une de rechange. Oh mon Dieu. J'en avais une de rechange. C'est quoi? Non. Qu'est-ce que... J'ai l'impression que nous mentons. Nous ne faisons pas assez confiance dans cette équipe. Qu'est-ce que vous avez trouvé, Selecti? Dites-le moi! Rien du tout, rien du tout. Si, vous aviez ouvert ce. Oh mon Dieu! Ça me fait un peu peur, c'est pour ça. C'est un canon! Et il y a des canons de bol! Je prends tout. Oui, nous l'étudierons plus tard. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, ça a l'air bizarre. Il y a aussi le manuel de la grosse Bertha. Je pense que la grosse Bertha, c'est le canon. Oh, j'ai trouvé des fioles. Non, pas votre femme. Oui. Et ça, je vais le prendre, je sais pas ce que c'est, training demi. La faux, je vais la mettre ici. En réalité, j'ai beaucoup trop de choses dans mon... Oh! Inventaire. Aïe! Je me suis fait tirer dessus. Selecti, un sniper au-dessus! Je le vise! Où ça? Au-dessus! C'est bon, je l'ai tué. Vous avez trouvé des trucs? Oh, un arc gravé nordique. Et je vais le prendre, vous savez quoi? Parce que comme ça, je pourrais tirer avec mes flèches... Mes flèches. Des flèches? Regardez. Selecti, regardez! Attendez, je ramasse, il y a plein de trucs intéressants, il y a plein de torches là. Non mais. Si vous avez raison, je vais prendre le pain. Je vais manger. Du poisson. Selecti, regardez! Qu'est-ce que vous avez s'il trouvé? Vous plaît. Un parchemin nordique? Non! Bon, je vous le montre comme ça. Regardez! Quoi? Bah regardez, attendez! Normalement, c'est censé être une. C'est passionnant ce que. C'est censé être une flèche maudite. Bon, j'ai raté mon effet de style. Vous êtes en train de maudire un mur là. Attends, tu seras maudit et tu resteras un. Mais je l'ai ramassé. Ça marche pas sur vous. Prenez-moi cette taupe infâme. Attention! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui vous a fait ça? Oh mon Dieu! Est-ce que vous l'avez tué? Non, pas encore. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Mon couteau. Vous m'avez balancé sur moi! Ah, mon couteau! Prenez pas mon couteau! C'est bon,
il est décédé. Eh, hey, mon couteau il est puissant. Hein. Hop là. Est-ce que vous avez trouvé d'autres choses intéressantes? Non, je pense pas. Ah si, j'ai trouvé ça, c'est rigolo ça. La complainte du mineur, c'est ridicule. Ils boostent. Ah! Potion d'expérience. Des torches. Du papier toilette. Ah, ça va aller faire les courses. Bon, continuons, Sénécté, arrêtez de faire des blagues. C'est très souvent basé sur les excréments et les humeurs humaines. Hein, oh, un petit passage dérobé. Je ne vous écoute pas. Tout ça. Non, je disais que vous aviez un humour très... Non, mais je ne vous entends plus, vous êtes trop loin. Basé sur le caca. Non, mais... Vous êtes tous Sélecti. Dans votre femme. Vous voyez, ça vous a fait rire. J'ai dit caca. Regardez. C'est comme quand on chatouille quelqu'un sur les pieds, vous, c'est avec le mot caca. Vous rigolez mystérieusement. Pas du tout, vous êtes possédé. Je vous entends mal, Sélecti. Oui, bah moi aussi. C'est parce que je suis loin. Sélecti, je pense que nous avons fait le tour quand même de cette... Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Sélecti? Aïe. Oula. Sélecti, qu'est-ce que vous avez dans votre main droite? Une épée? C'est mon couteau. C'est particulier. Oh, il était bien caché, celui-là. C'est un coffre, moi, de mes natas. Oh, celui-là aussi, il y a un coffre ici. Ok, nul. Sélecti, j'avais trouvé un passage secret. Attendez. Sélecti! Venez me suivre. Venez me suivre. Eh, hey, mais ici? Oui. On est venu ici ou pas? Vous êtes où? J'ai trouvé un coffre. Ah. Ah, mais malheureusement, il est vide. Mais oui, nous l'avons. Pourquoi ce coffre est plein de glace? Oh! Je suis... Ah, dis donc, il m'a l'air bien, c'est... J'ai trouvé la douche froide. Montrez-moi. Pourquoi c'est vous qui avez tous les arcs super bien et moi j'ai que des arcs nuls? Mais votre arc, il tire trois flèches d'un coup. Vous êtes possédé ou quoi? Oui, c'est comme ma femme. Votre femme, elle tire trois flèches d'un coup? Non, vous êtes possédé comme votre femme. Je voulais dire moi, je me suis trompé. Ouais, je préfère pas savoir. Sélecti, je vais je vais un petit peu Et nuit d'amour. Hop, ça je le jette. Ça ne sert à rien, je le jette. Ça je le jette. C'est bon. Bon, bah puisque c'est comme ça, moi je m'en vais. Puisque c'est ainsi. C'est dit. Mon Dieu. Ne me laissez pas tout seul, j'ai pas... Allez, moi c'est parti, je me casse. Du en tout cas, on a fait le tour de votre femme. Hein. Non. Ici, s'il vous plaît. Comment? Oh, mais s'il vous plaît, arrêtez avec... Oh, il y a un petit chien qui court très vite. Oh, c'est trop mignon. Oh, mais je vais mourir. Il est où? Oh, je vais mourir. Oh là là. Non, c'est je vais vous sauver. Au péril de ma vie, je vous sauverai. Je n'ai que... Oh, un petit chien, merde. Vous êtes partagé dans les émotions, là. Il est où, le petit chien? J'ai vu le petit chien, mais je l'ai tué. Ah, mais non. Non, mais vous êtes sérieux, là? Oh là là. C'est pour ça que j'ai dit mince. J'ai l'horrible personne. Vous irez vraiment... Vous finirez vos vieux jours en compagnie de... C'est bon. C'est décidé, je me barre. C'était une boule gourde ce midi. Allez. Le boule gourde, c'est compact. Ouais, donc bah oui. ça sort vite. Sélecti, revenez, vous allez beaucoup trop vite par rapport à moi. Oh non, moi je me casse, vous êtes trop crade. Ne passez pas par la fente tout seul. Ah bah si, je suis passé, mais je me sens mieux dehors. Teignez votre lumière. Oui, j'allais le faire, pas besoin de vous énerver. Bon, Sélecti. Regardez. Oh, pardon. Mais vous passez devant. Qu'est-ce que je dois regarder? En fait, je ne sais pas comment on utilise les flèches. Quelles flèches? Bah, les flèches que nous avons. Je ne sais pas. Ah, les flèches... spéciales. De feu et d'explosion. Eh oui. Elles ne correspondent pas à mon arc, à l'échancrure de mon arc. Là, il y a un arc un escalier, pardon. Sélecti. Passons par cet escalier, c'est beaucoup plus civilisé. Oui, je vous suis bêtement. Bah oui. C'est bien ça, votre problème. Vous auriez pas... Ok, bon, c'est bon, on se calme. Vous auriez pas des flèches, d'ailleurs?
Des flèches? Oui. Non, j'en ai deux, des flèches. Tenez, partage. Allez, ouais. Non, mais... ah, ça tombe bien comme ça, j'en ai trois. Oh! Vous êtes un immense personnage, j'en ai plus qu'une! Eh ben, chacun son problème. Selectif, vous avez vu, on s'est bien stuffé. Est-ce qu'on serait pas prêt pour tuer Hydra? Écoutez, je ne sais pas. Posons la question au chaman. D'accord. Où est le chaman? Je sais pas, vous l'avez dit. Est-ce qu'on rentrerait pas dans la à notre maison? J'ai envie de tester ce gros canon qu'on a eu. Et par gros canon, je ne parle pas de mon membre viril. On parle de ce vrai gros canon. Il s'appelle comment, votre canon, en fait? Je n'ai pas donné de nom, voyons. Je ne suis pas une personne comme vous, mentalement déficiente. Mais non, déficiente. Le canon que vous avez trouvé dans le coffre. Ah, pardon. Je parle du vrai canon, putain. Ça s'appelle la grosse Bertha. Ah oui. Non, mais le vrai canon, pas votre sexe. C'est qui? Vous êtes très drôle. Vraiment, j'aime beaucoup votre humour. Je ne m'en lasserai jamais. Jamais. Bon, le aïe, le chaman est dans... Mais arrêtez, ça me gèle. J'ai froid après, je vais avoir un rhume. Oh, ça vous est retombé sur la gueule. Alors... J'ai le chaman dans mes mains, il peut nous parler. Ah, je peux parler. Je pense que vous avez trouvé tous les artefacts de l'île de Ramon. Bande d'égoïstes, vous n'en laissez pas pour les autres aventuriers. Je ne sais pas s'il y a une loi qui dit qu'on va en laisser pour les autres aventuriers. Qu'est-ce qu'on va vous laisser un pantalon si vous avez pas de jambes? Oui, je vous rappelle que vous êtes méchant, c'est l'équipe. Vous n'avez pas de jambes. Arrêtez d'infliger ce pauvre... Je vais pas vous inventer ce que vous n'avez pauvre... pas. Arrêtez. Rentrez. Ah, bien fait. Oh, vous avez vu, maintenant, vous ne prenez plus de dé... Ah, si. Aïe, attendez, non. Arrêtez! Je m'entraîne. Je veux tester mon canon. Arrêtez! Non mais vous n'avez pas testé ça dans la maison, vous êtes complètement malade. Alors... Venez dehors. Je le mets ici. Comment ça, dans la maison? Ah, mais vous non, mais pas bah, oui, non. Bah, sauf si vous voulez tout défoncer. Enfin, je sais pas, a priori, un canon, on n'essaye pas ça dans une maison. Enfin, je sais pas. Je sais plus comment on casse ce truc-là maintenant. Ah, c'est bon. Allons-y. Il faut qu'on lise le manuel aussi. Ah, il y a un manuel? Oui. Bah, on va le mettre en hauteur, ici. Et il est pas beau comme ça? C'est quoi ça? C'est ça votre canon? C'est notre... Non! Ça c'est le... Non! Oh. Ça c'est la cible! Selecti! Ah. Non, tenez, la cible! Mettez-la au milieu du champ! Dépêchez! Exécution! Oui, chef. Pendant ce temps-là, je lis le manuel. Alors, bienvenue dans le manuel d'utilisation de votre canon domestique, la grosse Bertha, TM. Afin d'utiliser le canon de manière sécurisée, veuillez suivre ces étapes. Tout d'abord, point numéro 1. Disposez le canon sur une surface plane. Est-ce que vous l'avez mis sur une... Ah non, une... Non, c'est tout gâché. Mais si, justement, ça augmente la difficulté, regardez. D'accord. Petit 2. Armez-le avec un objet de préférence lourd et contondant. J'ai des boulets de canon, ça tombe bien. Petit 3. Assurez-vous d'avoir de la poudre à canon sur vous. Est-ce que vous avez de la poudre à canon, Selecti? Attendez, je regarde dans mon sac, mais a priori... Petit 4. Asseyez-vous confortablement sur le strap. Non, ça l'a visé. Et petit 5. Tirez sur tout ce qui bouge. Voilà, vous êtes maintenant prêt à utiliser ce canon, la grosse Bertha vous embrasse. Oh, j'ai une touche. Attends, vous avez une touche avec un canon, hein. Attention, ce canon n'est pas un jouet, ne l'est pas laissé à la portée des enfants de moins de 3 ans. C'est tout. Tenez, Selectif, je vous le laisse. Je vais installer le canon. Comment, avec de la neige, je peux faire de l'eau? Avec de la neige? Je sais, ça n'a aucun rapport, mais... Bah non, bien. Pas tellement. On peut pas fabriquer de la neige avec de l'eau? Vous avez de la... Mon dieu, il fait froid. Des explosifs? Non. Mais bon, vous êtes sérieux, d'accord? Moi non plus, hein. Mais... vous allez pas pouvoir l'essayer. Bah c'est nul. Mais quoi, c'est nul? Pourquoi vous m'avez filé le bouquin? Moi j'en veux pas de ce machin. Selecti! Remontez. Ah, c'est bon! J'en ai trouvé! Arrête! Tenez! Oh! Elle jaillit de votre orifice buccal! Tenez, je vous abreuve! Merci! De ma poudre! Mais oh! Particulier que ce soit de la poudre. C'est pas très commun chez les êtres humains. Vous savez, moi quand je bois pas suffisamment de bière, je fais pipi de la poudre. C'est véridique! Bon, on va pouvoir. On va tester. Ah non.
Je l'ai armé. Selecti. Non. Selecti. Je l'ai armé. Je vais tirer. Vous êtes prêts? Non. Attends. Tirez. Oh. Vous m'avez touché. Excusez-moi. Je réarme. Mon dieu, ça m'a fait mal. Vous avez tiré à côté en plus. Oh, quel beau trou. C'est vrai? Arrêtez de me tirer dessus. Attention. Je retire et après ce sera à vous. Feu. Oh, je l'ai raté. Vous êtes pas très... Tenez. Je sais pas comment ça marche. Attendez, je vous donne des boulets de canon. Je vais armer. Voilà, là il y a un boulet de canon. Et tenez, de la poudre à canon, faut vous appuyer sur espace. Sur votre espace personnel. Vous avez de la poudre à canon sur vos pieds. Oh, vous êtes nul. Attendez, je vais remettre un boulet de canon. J'ai rien compris, sans compliquer. Non, réessaye une dernière fois. Il faut qu'on s'entraîne, on va l'utiliser contre Hydra. Bon. C'est pas probant. Je vais vous laisser l'utiliser, je pense. Ça fait des jolis tours en tout cas. Ouais, je vais réessayer une dernière fois et après on ira se coucher parce que là il fait nuit et neige. Il fait et nuit demain, là on ira chercher Ah oui, le soleil demain, va se coucher. On ira tuer. Regardez, Selecti. Visez un peu ça. Oh oui. Oh, mais bien joué, mais vous êtes fort. Bah je sais. Vous êtes beau. Récupérez le mannequin. Je suis pas... Et au dodo. Je suis pas votre pacha, hein. La 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 la. Enfin, de votre cher qui pas. Qui c'est qui a laissé la porte ouverte, les courants d'air? Oh. Et ben voilà. C'est la timbale. C'est le grenier qui fait déborder le vase. Selecti, qu'est-ce que vous faites? Mais je ramasse votre... Dépêchez-vous. Votre mannequin.